J'ai parfois des commentaires de certains d'entre vous qui me disent « Oh Victor, j'aimerais bien un jour voler avec toi. » Mais tout n'est pas parfait sur mes vols. Moi aussi, j'ai mes petits côtés un peu mystérieux où je fais des choses que j'ai parfois un petit peu cachées à la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 story time de choses qui sont arrivées à bord. Je ne suis pas toujours très très fier. Soyez les bienvenus à bord. On a tous des petites choses qu'on veut cacher sous le tapis parce qu'on ne veut pas trop que ça sache. Je vais les partager avec vous, mais comme vous ne savez pas où je travaille, je devrais être encore assez sécuritaire et j'espère que quelqu'un d'entre vous va aller me dénoncer à ma compagnie. Je vais vous raconter donc 5 petites story time de choses que j'ai pu faire ou que j'ai pu observer pour en fait l'une d'entre elles. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'adore vous lire. Et si vous avez atterri sur ma chaîne un petit peu par hasard, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur YouTube et je vous parle sur ma chaîne de comment voyager dans les meilleures conditions. On touche un petit peu tous les sujets, que ce soit comment devenir un hôtesse de l'air, un steward, ce qu'on appelle aussi un PNC ou un agent de bord, que ce soit également comment vaincre votre peur en avion, comment fonctionne la cuisine, qui fait les repas dans l'avion, tout ce genre de choses. Et s'il y a un sujet qui vous intéresse un peu plus qu'un autre, surtout n'hésitez pas à aller sur le moteur de recherche de ma page de YouTube. Mettez un petit mot en cliquant sur la petite loupe et vous allez sûrement trouver ce que vous recherchez. Aussi aider la chaîne pour être un petit peu plus visible. Les vidéos pour vous sont complètement gratuites. Moi, j'investis mon temps pour faire les recherches, pour filmer, pour monter, pour mettre en ligne. Donc, vous me feriez énormément plaisir si vous vous abonniez, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut ou mettre des commentaires. Toutes ces petites choses-là, ça aide l'algorithme de YouTube à me rendre un petit peu plus visible. Et je vous remercie par avance. La première histoire m'est arrivée il y a quelques années, donc je travaillais en classe affaires, j'étais chef de cabine et j'avais ma collègue qui s'occupait du galet, c'est elle donc qui va gérer un petit peu tous les repas. Et après l'écolage, on va prendre les commandes des passagers, donc ce jour-là on avait du saumon, on avait également du bœuf et je crois qu'on avait de l'agneau, et donc on va passer à travers les passagers. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a 3 options disponibles, on n'a pas les 3 plats pour chaque passager. Donc si on a 20 passagers, on n'a pas 60 plats de disponibles. Donc forcément, on va essayer d'ajuster un petit peu le tir et de vendre en fait les plats qu'il va nous rester en stock. Et puis d'une journée à l'autre, ça change énormément. Si je fais le même vol le lundi, peut-être que tout le monde va vouloir l'agneau et le mardi, tout le monde va vouloir le bœuf. C'est un petit peu difficile à prévoir. Ça dépend beaucoup de la culture. Est-ce que ce sont des touristes ou est-ce que c'est des gens plus locaux? Est-ce que ce sont des voyageurs fréquents en classe affaires, est-ce que ce sont des voyageurs qui voyagent moins, ça peut dépendre de la culture, est-ce qu'il y a des gens qui mangent plus de poissons ou pas, donc il y a tellement de facteurs et c'est très difficile à prévoir. Et donc comme on était tous les deux dans les allées, chacun dans son allée pour aller prendre les menus des passagers, et je sais plus de mémoire, mais disons que ce jour-là on avait 12 filets de saumon, et elle m'a dit t'en as 6 et moi j'en ai 6, donc c'est à nous de vendre un petit peu notre sauce le mieux qu'on peut. Et puis je vous dis, si jamais il me reste beaucoup de poulet, je vais dire... Je conseille fortement le poulet, il est délicieux, je l'ai goûté hier. C'est un vrai régal. En donnant un petit conseil comme ça, je vais pouvoir guider un petit peu les passagers vers l'option qui va m'arranger qu'ils prennent. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais si on est un petit peu bon vendeur, on s'en sort bien. Ce jour-là, j'avais vendu mes 6 filets de saumon et je retourne dans le galet, je lui donne la liste des passagers qui ont choisi le saumon. Et là, elle se rend compte qu'elle a mal compté, elle en avait seulement 11 et elle en avait vendu 6 et moi aussi, j'en ai vendu 6. Donc, il y a un passager à qui on doit dire malheureusement, il n'y a plus de saumon, ça va être autre chose pour vous. J'essaie de repenser à tous les passagers à qui j'ai parlé, lequel avait l'air le plus avenant et puis si possible le dernier, commander le saumon. Je retourne voir cette passagère, c'était une jeune femme ce jour-là et je lui explique et voici mon petit mensonge. Je lui ai dit, écoutez, on allait préparer votre saumon, on allait le mettre dans le four, mais en levant le papier d'aluminium, parce qu'on ne le lève pas avant de mettre dans le four, on s'est rendu compte qu'il avait une drôle de couleur, il est un peu bleuté. Alors je ne voudrais surtout pas prendre le risque de vous intoxiquer, que vous ayez une intoxication alimentaire. Je vous suggère peut-être de prendre quelque chose d'un petit peu plus, qui a l'air plus normal, comme le poulet ou l'agneau. Et la dame a dit, oh, vous avez bien fait de me prévenir, merci beaucoup, je vais prendre, elle a peut-être pris l'agneau, le poulet, je ne sais plus. Mon petit mensonge a réussi à sauver un petit peu les apparences, parce que sinon on se retrouve un peu bloqué, puis quand on a promis à quelqu'un qu'il va avoir un plat, et qu'il a commencé à mentalement se préparer qu'il va avoir le saumon, plus on attend, plus c'est difficile de le faire changer d'avis. Tandis que là, c'était tout frais, je lui avais demandé son option 2 minutes avant. Mais c'est un petit mensonge, elle ne le saura jamais cette dame-là. Mais je la remercie en tout cas d'avoir changé d'option. La deuxième chose, et c'est la seule chose sur les 5 points que je vais raconter aujourd'hui que moi je ne fais pas, mais que j'ai vu arriver de nombreuses fois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on atterrit à notre destination finale, toutes les bouteilles qui sont ouvertes, que ce soit les bouteilles de vin, les bouteilles de jus de fruits, malheureusement on va devoir les vider, parce que elles ne peuvent pas retourner dans le circuit si elles ont été ouvertes. Il y a des raisons de taxes, les bouteilles doivent être fermées, il y a aussi des raisons d'hygiène, on ne sait pas si quelqu'un d'autre après va mettre quelque chose, donc lorsqu'on ouvre une bouteille à bord, elle doit être scellée. Si je fais un aller-retour journée, par exemple, imaginons je suis basé à Montréal et que je vais à Toronto,
Toronto, je retourne à Montréal, ben c'est moi, si je reste dans le même avion, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je peux garder mes bouteilles. Mais si j'arrive à Toronto et que là, il y a un autre équipage qui va prendre l'avion et que moi, je vais partir à Calgary, ben dans ce cas-là, je vais devoir vider mes bouteilles. Je ne travaille pas pour Air Canada, mais j'imagine qu'ils font la même chose que nous. Donc, la manière qu'on a de vider ces bouteilles, on ne va pas dans les toilettes avec nos bouteilles de vin, ça ne ferait pas très propre devant les passagers. On a, nous, un genre de gros conteneur en plastique pour les liquides. On va vider nos bouteilles dans le galet dans ce conteneur et après, on amène le conteneur dans les toilettes et on va mettre ça dans les toilettes. Ça veut dire qu'on va vider des bouteilles de vin qui peuvent valoir assez cher et également ce qui reste de champagne. Et des fois, on ouvre une bouteille de champagne pour un passager parce qu'on avait terminé quasiment de service, on avait fini la bouteille et là, il y a un passager juste avant l'atterrissage qui nous demande « je voudrais une autre coupe de champagne ». Et ben, on va ouvrir une bouteille, on ne peut pas dire non. Si on en a en stock, on va le faire. Donc, bon, on va ouvrir une bouteille de champagne et on a juste servi une flûte et il reste les deux tiers de la bouteille. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, certains de mes collègues ne vont pas la boire. Je vous rassure, on n'a pas le droit de faire ça. Vont faire ce qu'on appelle en anglais le champagne hands, les mains au champagne. Donc, a priori, cette technique, si vous l'avez déjà fait ou si vous avez des restes de champagne à la maison, essayez-le. Donc, vous allez vous frotter les mains sous le champagne avec du sucre. Et a priori, ça rend les mains tellement douces que ça vaut tous les traitements du monde. Donc, je ne sais pas si ça marche avec les champagnes les moins chers, mais en tout cas, on fait ça, nous, avec le champagne qu'on a à bord. Donc, quelqu'un va tenir la bouteille et puis on va se frotter les mains avec le sucre. Bien sûr, on fait ça loin des passagers parce que ça fait pas très sérieux si un passager arrive dans le galet puis nous voit en train de se frotter les mains avec une bouteille de Dom Pérignon. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le champagne hand. Je ne l'ai jamais essayé personnellement, ce n'est pas mon truc, mais si vous l'essayez à la maison, si vous avez un reste après un anniversaire ou une fête de famille ou n'importe quoi, eh bien dites-moi si ça fonctionne, si vous avez trouvé que ça marche bien. La troisième histoire, ça c'est moi qui l'ai fait et j'en suis pas super fier, mais bon. Donc on arrive à Sydney, on va dans les retours journée et l'agent au sol me dit « tu es un dignitaire canadien ». Je suis canadien, donc je dis « c'est chouette, qui c'est ?» Et là elle me dit le nom, donc c'est un ancien premier ministre, Trudeau, c'est un ancien premier ministre. Et c'est pas un premier ministre que j'ai beaucoup apprécié. Moi j'habite plus au Canada depuis un petit bout de temps déjà, donc j'ai jamais été sous son règne entre guillemets. Mais bon, j'ai vu ce qu'il a fait, puis il n'a pas une politique qui m'a vraiment plu. Et également, c'est pas la personne qui est la plus avenante. Et ben, j'ai pu le vivre à bord. Donc, ce monsieur arrive à bord en tant que chef de cabine, je suis à la porte, donc je l'accueille, je lui dis bonjour, et là je lui dis en français parce qu'il était comme premier ministre du Canada. Je sais que c'est un anglophone ce monsieur, mais s'il a été premier ministre au Canada, il doit savoir ce que ça veut dire bonjour monsieur et son nom de famille. Ça n'a pas besoin de prendre un cours de français pour apprendre ce que veut dire bonjour en général. Donc, j'ai dit bonjour monsieur, pip, et bienvenue à bord, votre siège est là-bas. Et il me regarde genre avec un air de dédain parce que je lui ai parlé en français. Je dis bon, ça commence bien. Je finis l'embarquement, on décolle et après le décollage, moi en tant que chef de cabine, je vais voir tous les passagers de la classe affaires, je vais leur serrer la main, je me présente, je leur donne un petit peu d'informations sur le vol, je leur parle de la météo si jamais on prévoit d'avoir des turbulences et je leur dis s'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Donc j'arrive, je l'ai fait en anglais, j'ai juste dit à nouveau bonjour pour mettre l'emphase sur le fait que je suis canadien, je lui ai dit mon nom Victor et je suis de Montréal, mais il m'a regardé encore hier, what, genre qu'est-ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Bon, des fois j'ai affaire à des passagers qui sont pas de bonne humeur, mais parce qu'ils ont autre chose qui les préoccupe, et puis peut-être qu'il avait quelque chose qui le préoccupait, mais là c'était vraiment l'attitude de ce que j'avais toujours vu à la télévision, c'est pas quelqu'un de très avenant. Comme on dit en bon québécois, il n'avait pas vraiment d'entre-gens. Si vous ne savez pas ce que veut dire entre-gens, entre les gens, la connexion, ben, c'est justement comme on a l'entre-gens, c'est qu'on est capable de faire une connexion avec les autres personnes. Il n'en avait pas beaucoup, alors qu'il a fait un métier quand même qui était très très public. Bon, je lui sers son repas, il est en train de regarder un film, il avait l'air bien intéressé par le film. Je lui sers son repas et même chose, je lui dis « est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ?» Donc j'essaie d'avoir le minimum de conversation, mais il a vraiment axé sur le service. Qu'est-ce qu'il veut du vin rouge? Est-ce qu'il veut du vin blanc? Est-ce qu'il veut autre chose? Et là c'est pareil, j'ai « meuh ». Genre « dégage ». Bon, j'ai dit « bah, tu vas jouer à la tête de con, moi aussi je vais faire la tête de con ». Ça fait que je retourne dans le galet et là j'ai accès au système de divertissement. Et le système, malheureusement, et je ne sais pas comment ça se fait, le système a décidé de s'arrêter pour lui. Et son film, il était en plein milieu d'un film, ben, l'écran est devenu noir pendant 5 minutes. Et puis ben, le système a dû repartir, recharger toutes les données. Et puis ben, son film a recommencé à zéro, ce qui fait qu'il a dû faire avance rapide jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où il s'est arrêté. Bon, mais il ne s'est pas plaint, il n'a rien dit. Et un peu plus tard pendant le vol, on vient offrir à nouveau s'il veut quelque chose à boire, voir si tout va bien. En général, on s'approche. On va simplement dire ce que vous avez besoin de quelque chose. Et puis là, il a fait un geste comme ça de la main. J'ai dit là, non. Donc je suis retourné dans le galet et j'ai fait la même chose.
Je sais, je ne suis pas censé faire ça. Mais honnêtement, me faire traiter comme lama pour quelqu'un qui a géré mon pays, j'étais vraiment pas très content. Et ce monsieur continue à se faire sur un autre vol, et je connaissais le chef de cabine. Donc je lui ai envoyé un petit message lui disant « Attention, tu vas avoir affaire à tête de veau, là. Il est vraiment pas aimable. Donc si tu as envie de resetter son système d'avertissement, vas-y, moi j'ai déjà fait deux fois. » Je ne sais pas s'il l'a fait. Bon, il faut savoir que si un jour votre système d'avertissement se repart tout seul, ce n'est pas parce que forcément quelqu'un l'a fait pour vous. Le système, des fois, a ses petites manies, ses habitudes, et il a envie de s'arrêter en plein milieu de votre film. Donc, mais si vous n'avez pas été très très avenant avec les gens qui s'occupent de vous à bord, il est possible que quelqu'un aussi ait été sur le système et tapé votre numéro de siège et appuyé sur le bouton « Reset ». Une autre histoire pour vous. Donc, c'était un vol de nuit et ce jour-là, pendant la période de nuit, en fait, pendant la période de repos, je travaillais en économie parce que j'avais la plupart des passagers dorment. J'avais un membre d'équipage en classe affaires, un en premium économie et moi, j'étais avec deux membres de mon équipage en économie pour s'occuper parce qu'il y a plus de passagers. Puis, bon, il ne se passe pas grand-chose, mais je sens en marchant dans la cabine une odeur de pied, mais vraiment dégueulasse là, au point où tu as vraiment t'as des reflux là. Ça fait que j'essaie de voir d'où ça vient, mais tout le monde dort, c'est pas facile. À l'arrière, on avait, là où il y avait l'odeur, on avait beaucoup d'étudiants et j'arrivais pas à voir qui c'était. Mais impossible de rester avec cette odeur-là. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne s'est plaint, mais ça vient peut-être du fait aussi que la plupart des gens étaient en train de dormir. Donc je pense que quelqu'un s'est endormi et tant qu'il avait ses souliers, il n'y avait pas de problème. Et en dormant ou pendant la nuit, il a décidé d'enlever ses souliers. Et là, vous voyez cette belle odeur qui est loin d'être Chanel directement pour les narines de tous les passagers de la zone. Donc, il est hors de question que je reste comme ça, mais je suis limité. Je ne sais pas d'où vient l'odeur spécifiquement. Je suis capable d'analyser que c'est à peu près 3 rangées, mais je ne peux pas réveiller tous les passagers. Alors, j'ai utilisé quelque chose qu'on a à bord. Si jamais un jour vous avez des problèmes, vous aurez ce bouche où ça devient vraiment très désagréable, nous, en tout cas sur ma compagnie, on a dans notre trousse de premiers soins de l'huile essentielle d'eucalyptus. Ce qu'on fait, c'est que si jamais un passager dit que ça ne va pas bien, en général c'est au moment de la descente, on va prendre quelques serviettes, quelques mouchoirs dans les toilettes, on va mettre ça dans un gobelet en carton, on va mettre quelques gouttes d'eucalyptus et on lui dit « colle-toi ça sur le nez, respire fort, ça va ouvrir les bronches » et en général ça aide beaucoup à ajuster la pression. Donc je prends ma petite bouteille d'huile essentielle d'eucalyptus et je marche dans la cabine et à l'arrière ce que j'ai fait c'est que j'ai réellement baptisé tous les passagers de la zone parce que je ne peux pas toucher les pieds sont sous le siège devant eux, donc j'étais là, j'ai envoyé des gouttes un peu dans tous les sens, comme c'est de l'huile, il n'y a pas vraiment une température très froide, donc personne ne s'en est vraiment rendu compte, il y a peut-être quelques gouttes qui sont arrivées sur des écrans, mais je vous dis les passagers dormaient, et puis j'ai mis aussi quelques gouttes dans l'allée sur la moquette, mais en baptisant ces passagers, il y a une meilleure odeur, on se serait trouvé dans un sapin dans les Vosges, mais il y a une odeur beaucoup plus agréable qui était dans la cabine plutôt que cette senteur de pied. Et en tout cas, après, personne ne s'est plaint pour l'odeur d'eucalyptus. Donc, j'ai réglé le problème en baptisant mes passagers. Et j'ai encore une histoire pour vous aujourd'hui. Et elle m'est revenue en parlant simplement avec une de mes collègues. J'avais complètement oublié, j'avais effacé ça de ma mémoire, mais l'histoire m'est revenue. Donc, on partait de Los Angeles et on était sur un plus vieil avion, un Boeing 767, un avion qu'on a pu sur ma compagnie. Et notre classe affaires, c'était une ancienne génération, ce qui ressemble maintenant un peu plus à la première économie en fait. Donc, c'est des sièges qui ne devenaient pas des lits, qui s'inclinaient beaucoup plus, mais avec de l'espace. Mais en tout cas, on avait 24 passagers dans cette cabine. Et ma collègue qui s'occupait du galet, pas la même que celle pour le poisson, n'a pas fait ses vérifications au complet lors du départ de Los Angeles. Lorsqu'il y a le traiteur qui vient à bord avant qu'on parte, en fait pas longtemps après qu'on soit arrivé à bord, nous on doit vérifier qu'on a absolument tout. Et on a plusieurs types de chariots. Celui qui est derrière moi, ben, vous le voyez de face, c'est un demi-chariot, mais vous avez des chariots plus grands qui sont exactement la taille de deux demi-chariots. Donc soit vous avez un chariot taille normale, soit vous avez des demi. Et quand les chariots sont plus grands, on a deux tiroirs à l'intérieur qui vont se mettre l'un derrière l'autre. Les chariots s'ouvrent des deux côtés, donc on peut ouvrir le chariot du côté qu'on veut et on peut voir les tiroirs. Mais elle a dû oublier de vérifier un des tiroirs et dans ce tiroir en plastique là, on a les assiettes. Et donc il nous manquait les assiettes pour le deuxième service, pour ce qui était le petit déjeuner. Donc on a fait le service de dîner sans problème et pendant la nuit, on commence à préparer un petit peu, donc on enlève les choses sales, on tourne le chariot, enfin on commence à se préparer pour le service bien avant que les passagers se réveillent pour que tout soit prêt. On reconfigure en fait le galet pour le nouveau service et là elle se rend compte qu'il n'y a plus d'assiettes de propre. On en avait peut-être une dizaine qui restait du premier service parce qu'on n'a pas tout utilisé, mais il m'en manque quand même une bonne quinzaine. Puis je ne peux pas les inventer. Puis qu'est-ce que je peux faire? Il faut bien que je serve les repas dans quelque chose. En économie, ça vient dans ce qu'on appelle les cassolettes, là, donc c'est directement ce qui va dans le four, mais en classe affaires, c'est des grosses feuilles d'aluminium qui vont dans le four, des petites barquettes d'aluminium, donc je ne peux pas donner ça à des passagers, puis ça va être très chaud. Alors, c'est panique à bord, évidemment. Il faut que moi, je trouve la solution. Je dis,
on va faire la vaisselle. On n'a pas de la vaisselle dans l'avion. Mais peut-être des jets privés ont ça, mais nous, en tout cas, sur les avions commerciaux, on n'a pas ça. Je dis, on va faire la vaisselle. Alors, regarde tous, tu ne vas pas faire la vaisselle dans les toilettes. Bien non, je ne vais pas aller dans les toilettes, essayer de nettoyer un endroit qui est plus contaminé et amener vos assiettes qui vont être propres après. Donc, ce que j'ai fait, c'est système D. J'ai utilisé deux tiroirs, donc les tiroirs qui étaient vides, j'ai mis de l'eau. Et puis, dans l'un d'entre eux, j'ai mis du savon. Alors, je n'ai pas de produit vaisselle hein, dans l'avion, parce que je vous dis, on ne fait pas la vaisselle. Donc, j'ai pris la petite bouteille de savon à main, de liquide. J'en ai mis dans un de ces tiroirs avec de l'eau. Ça me servait pour laver. C'est du savon, c'est peut-être pas le savon alimentaire, mais bon, quand vous lavez les mains avec, et si après vous allez vous lécher les doigts plus tard, il n'y a pas vraiment plus de risques. Et puis j'avais un autre bac qui me servait pour le rinçage. Et puis j'utilisais, j'avais pas de torchon, je pense qu'il me restait quelques nappes, donc j'utilisais des nappes et puis j'ai dû finir avec des serviettes en papier pour essuyer tout. On a essayé de faire ça de manière de plus discrète, il y a toujours un passager dans la nuit qui va aux toilettes. S'il nous voit en train de faire la vaisselle dans le galet, c'est comme si on se versait le champagne sur les mains, ça ne fait pas très très sérieux. Mais bon, on l'a fait, personne ne nous a vu. Je pense que le commandant de bord nous avait vu parce qu'il y a des caméras sur le galet en classe affaires pour vérifier est-ce que si jamais il y a quelqu'un qui veut attaquer, rentrer dans le cockpit, au moins il va voir la caméra. Donc je pense que le commandant de bord nous a vu, puis il a dû nous demander un petit peu ce qu'on faisait, mais on l'a expliqué, puis il a fait ce qu'il faut. Donc on a fait la vaisselle en avion. Mais je me souviens que ma collègue était là, mais tu ne vas pas faire la vaisselle dans les toilettes. Ben non, évidemment que non, hein, je ne vais sûrement pas faire ça. Et donc c'était une vidéo un petit peu moins sérieuse, mais vous expliquer aussi des petites choses qu'on peut faire qui sont plus ou moins légales dans l'avion, mais rien de très très terrible. Peut-être que pour ce Premier ministre, j'aurais dû faire autrement. En tout cas, maintenant c'est passé, puis j'ai pas eu de représailles, donc je pense pas qu'il ait été se plaindre. De toute façon, Monsieur Ronchon avait sûrement d'autres choses et d'autres personnes sur lesquelles il doit se plaindre que moi qui a interrompu son film deux fois, sachant qu'il a jamais su que c'était moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai d'autres sujets plus sérieux qui s'en viennent dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas toujours à me proposer des idées de sujets dans les commentaires. Dites-moi si vous avez vu des choses qui vous semblent un petit peu louches aussi dans un avion, ou si vous êtes équipage, est-ce que vous avez fait des choses louches. Je ne dirai pas dans quelle compagnie vous travaillez. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, je suis également sur Instagram si vous avez des questions. Et à la semaine prochaine. Salut.